Et Yomina, c'est Deridri et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Resident Evil 2 Remake, bien sûr. Alors, comme vous vous souvenez, la dernière fois, on s'était arrêté ici, donc à mon avis, ça doit être dans le bureau du fameux, je pense, ex-chef de la police, le ex-chef de la police, avec plein d'animaux empaillés. Donc là, faut une clé cœur. Je n'ai pas de clé cœur ici. Ok, ici il y a quoi? Une poudre, donc on la prend au cas où, on la mettra dans le coffre là. Super. La carte d'accès. Il faut une carte d'accès. Ok. Ouh, ça c'est le truc qu'il y avait avec Léon. Alors, je sais qu'il y a... C'est pas un trophée, mais il y a un succès qu'on débloque un truc spécial. Il y a un défi avec ça. Ok. Salle de stockage et la tour de l'horloge. Ok, il va falloir faire la même chose que Léon. Wow. Ouais. Et la tour de l'horloge qui doit être à droite, mais qu'on n'a pas encore découvert. Bas-relief, bizarrement, il y a un cœur dessus. Il y a peut-être la clé derrière. Obligé. Obligé, c'était tellement, mais tellement prévisible. Le mec, il a de tout. Je viens de voir qu'il y a même un dodo. Le lion, par contre, c'est le plus imposant. Enfin, le tigre, c'est le plus imposant. Wow, the fuck. Non, on peut passer maintenant par là. Ok. Allons-y. Bon, par contre, ce qu'on vient de voir, c'est que le raccoon que j'ai fait avec Léon, il est fait avec Claire. Donc déjà, ça c'est bien. On va devoir descendre, on va devoir aller là. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, non, mais merde, j'ai pas de planche. Tu vas tout casser, il va rentrer lui. Ça sent le caca. Ça c'est la clé trèfle. Ça c'est Léon qui l'obtient. Nous on a la clé cœur. Oui, c'est dommage, on peut passer par là. La vitre cassée. Normalement la vitre elle est cassée quand t'es avec Léon. Il doit avoir un truc à mon avis. Il doit avoir un truc qui sort de la vitre. C'est obligé. Sachant qu'avec Léon, c'est cassé déjà. Ouais, non, ça on prend pas, on s'en fout. On s'en fout des pièces. Non, je sens la connerie. Ouais, ouais, c'était obligé. Avec Léon, c'était cassé. Voilà, allez, dégage. Est-ce que t'es mort? Ce qui m'étonnerait que t'es mort, mon coco. Mais non, t'es pas mort. Mais non, t'es pas du tout mort. Je te tire dans le cul-cul. Et ouais. Eh bien là! Eh, il faut lui tirer encore dans les fesses à lui? Par contre, cette arme est bien, mais qu'est-ce qu'elle est longue à recharger? Ouais? Comment il est mort? Il descendait, puis il avait les bras en mode pump it up! Ok. Bon, qu'est-ce qu'il y a de bien à récupérer ici? Un code d'un coffre-fort. Ok. Une poudre. Y a rien d'autre à récupérer ici. Ouais, c'était une salle comme ça. Oh non. Voilà, toi on va t'étourdir et on se casse. Le but, ce serait bien d'économiser des balles. Ce serait vachement, vachement cool. Donc, oui, c'est... On va déposer le surplus qu'on a. Enfin, quoique... Non, ça va.
J'ai utilisé les derniers. Comment on appelle ça? Les poudres. J'ai utilisé les poudres, donc c'est bon. Là, il y a une planche, mais je pense pas qu'on va la prendre. Il y a quoi ici? Grenade aveuglante. J'aurais peut-être pas dû la prendre, parce que si à côté, c'est la salle que je pense, on devrait peut-être éviter de prendre quelque chose, non? C'est quoi ça? Ça, des munitions, on prend par contre. Ouais, c'est ce que je pense. Et là, dehors, c'est où il y a la pluie. Avec Léon. Ouais, c'est ça. Donc le souci, c'est qu'on a un engrenage à récupérer qui utilise deux emplacements. Si ça n'a pas changé, que c'est pareil ici. Ah, il y a l'engrenage. Il utilise deux emplacements. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Bah ouais, il faut virer la grenade aveuglante. Ouais, parce que de toute façon, je peux pas virer les autres. Il y a munitions, il y a tout. Voilà. Comme ça. On utilise la clé. Ah, on peut pas récupérer composants. Oh, je peux rien jeter. Ça m'énerve. Oh, c'est relou. Et là, il y a un couteau. Oh, c'est casse-couille. L'inventaire. Je suis obligé de virer quelques trucs en plus. J'ai beaucoup trop d'objets pour l'instant. J'ai beaucoup trop d'armes. J'ai beaucoup trop de munitions. Enfin, munitions, je vais pas me plaindre. Hein. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ouais, bon, c'est-à-dire que tu me laisses passer. T'es déjà très très gentil, mon gars. On va virer ça. On va virer un soin. Le spray, parce que lui peut garantir contre le poison. Mais au moins, si on n'a pas encore des ennemis du poison. Parce que j'ai vu que les ennemis qui peuvent empoisonner sont, comment dire, sont les ennemis dans les égouts. Dans les égouts, ils empoisonnent. Mais pas à l'extérieur. Donc, on pourrait récupérer là le couteau, le composant électrique. Bon, là-bas, les zombies sont pas très agressifs. De toute façon, j'ai remarqué que si on joue en mode discret, tant qu'ils ne vous voient pas, que vous êtes dans votre dos, que vous êtes en mode discret, ils ne vous sauteront pas dessus. Et un composant électrique, un, qu'on pourra remettre dans la boîte. Et ça, on pourra remettre dans notre boîte, enfin dans notre coffre. Vous imaginez le nombre d'allers-retours que j'ai dû faire là, juste pour pouvoir au moins essayer d'économiser, de garder quelques objets, parce que j'ai pas envie de les jeter. Ça m'emmerderait de les jeter. Il est où, lui? Il est pas mort, ça je sais qu'il est pas mort, lui. Il est là. Il est là, ce petit enfoiré. Viens, 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 viens. Et... bim! Oh, c'était magnifique, ça. Magnificos. Ok. Voilà. Le composant électrique, on va être honnête. Ça sert à rien de le garder maintenant parce que le tableau électrique est juste à côté du coffre, à l'intérieur du bureau de l'ex-chef de la police. Ensuite, donc là, c'est pour mettre l'eau ici. Bon, là, on sait qu'il y a des munitions parce qu'avec Lyon, il y en avait. Donc, avec Claire, il y en a. Ensuite, en bas, on sait qu'il y a des zombies. Il y en a au moins deux. On sait qu'il y a aussi qu'il y a deux herbes quand on descend derrière nous. on va être honnête, les herbes, on s'en fout. On est déjà assez complet comme ça pour encombrer notre inventaire.
Ok. Bon, il m'a vu. Et ça, c'est pas grave. On va être honnête, on court. Et dès qu'on aura dépassé les escaliers, ils vont faire comme si on n'était plus là. Parce qu'ils bug les zombies d'ici. J'ai déjà fait le test. Ok, ok, ok. Alors. Hein? Coucou, Mister Exceder retourne. Oh non, il est là. Et qu'est-ce qu'on... Eh, y a voir que je te teabag, regarde. Je vais te fracasser. Non. Et merde. Et ouais. Je t'ai eu. Bec, t'es où? Je suis parti. J'aime bien le mais t'es où? Oui, je suis parti. Ok, 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 ok. Bon, on fait un peu plus de bruit. Bon, ça, c'est pas grave. Hein. Ça va attirer Mister X. Mais bon, là on n'a pas de choix. En plus, on l'entend, c'est pas. On va aller là. On a esquivé. Oh, oh le liqueur! Oh, on l'a esquivé lui aussi. Non! Juste avant qu'on rentre au liqueur, il me tape. Eh, est-ce qu'on appellerait pas ça un énorme foutage de gueule? Ils sont où? Qu'on analyse. Donc il y a un zombie, un liqueur, j'ai vu. Déjà, c'est bien. Arrête de te cacher! Je veux juste t'éliminer! Ouais, bah raison de plus pour pas sortir. Raison de plus pour pas sortir, mec. On a un zombie en moins déjà là. Monsieur X, je ne sais pas où il est. C'est le liqueur qu'il faut aussi éliminer. Oula. Le liqueur doit pas être loin. Non, tu ne viendras pas dedans. C'est la zone safe. La zone magique. Anti-zombie. Allez, viens, 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 viens. Tu ne mourras pas. Jamais. Tu arriveras à me tuer. Alors, le liqueur, il doit être là. Alors, si on arrive à rentrer là tranquille. Oh, trop bien. Oh, trop, trop bien. Ouais. Nickel. Donc, là, ici, le levier pour la bibliothèque. Nickel. On va essayer de se cacher là. Oh merde. Arrête de te cacher! Oui, bah non, j'ai envie de me cacher, t'es trop imposant. Voilà, on lui fait faire le tour pour l'emmerder. Ok, on peut pas y aller. Ok, bon bah une diversion pour rien. Wow. Vite. Y'a la connasse! Je te jure que si je te chope, tu vas morfler. Tu vas tellement souffrir que tu vas me supplier avec le peu de force qui te restera. Bien, bouffe ça. Ah, ça fait mal, hein. Foiré, va. Ouais. Transformé en super guerrier de l'espace. Avec un caleçon de pain sur la tête. Ah, d'accord. Et de quelle épaisseur ton caleçon de bain sur la tête?
plus grosse que mes coucougnettes. Ah, plus grosse que tes coucougnettes, d'accord. Ok. Et ta version du DBZ de l'espace, ton Super Saiyan de l'espace, Mister X, je pense que t'as regardé un peu trop de DBZ en ce moment. Bah, c'est juste mon avis. Hein. Ça peut être bien, histoire de se soigner. Mmh. Je crois pas que j'ai pris le bon chemin. Je ne crois pas. Non, je n'ai pas pris le bon chemin. Mais je sens qu'il arrive. Et je sens qu'il arrive. Ouais. Il arrive. On avance tout doucement. Je crois qu'il est au fond du couloir. Bâtard, il est là. Oh merde. Oh purée. Ah, j'ai pas le temps de m'amuser avec toi, ma grande. Oui, voilà. Va voir Monsieur X. Oh purée, tu cours vite. Logiquement, la bibliothèque, c'est ici. Donc, de toute façon, il n'y a que deux portes. Donc, ça peut être que là. On va passer le truc, déjà. Allez, bon appétit, toi, à gauche. Hein. Oula, on se casse. Ouais, ça va, il a l'air d'être très gentil. Il nous attend pour monter. Il attend son tour. Quoique. Il monte logiquement les escaliers, Monsieur X, voilà. C'est ce que je pensais. Allez, le temps qu'il arrive, on attend de déplacer ça. Allez. On a le temps encore. Allez. Touche pas à ça. Non. Ah ouh. Ouh, tu m'as fait mal, toi. Ah, juste une chose, Mister X, pourquoi tu me laisses monter que tu attends comme ça? J'attends que tu montes les escaliers, hein. Je suis galant, hein. Ah, là, sur ce coup-là, je t'adore, ouais, j'avoue. Sur ce coup-là, Mister X, ah, t'es hyper gentil. Ah, limite presque, j'ai envie de te faire un câlin. Oh là là, j'y crois pas. Le Mister X qui est galant, comme il dit. Oh merde, non, 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 non. Oh, ça fait mal. Là, logiquement, il y a une herbe de soin. C'est pas la meilleure herbe, mais bon, c'est bien. C'est mieux que rien. Attends. Donc, on a un truc à mettre. Ah non, non, merde. Ici, c'est le petit. Ici, c'est le petit. Le gros, c'est au début. Au début, tu mets le gros. Il y a un escalier qui va descendre. Et ensuite, tu récupères le gros pour le remettre là-haut. Parce que là-haut, il y a le petit qui a été mis. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, je m'en souviens. Alors, donc. Par contre, je me perds toujours dans ces purées d'escalier à la con. Ça me saoule. Il est où l'escalier? Oh, il y a une salle là, tiens. On va regarder ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, elle est vide. Aussi vide que le cerveau de Mister X. Et encore, je dis ça, mais heureusement qu'il m'entend pas. De la poudre. Ouais. J'ai envie de dire non, en fait, c'est utile. De la poudre en grande quantité, ça peut être très, très, très utile. Ok, là. Je ne dirai rien. Donc là, on récupère le petit, on y insère le gros. Et on redescend.
qui va nous permettre de mettre le petit. Et en plus, après, là, logiquement, il y a la boîte qui va... Avec le composant électrique, la boîte, le carton qui va tomber. Ouais, ouais. Comme on a déjà fait ça avec Léon, donc ça nous permet d'en savoir déjà un peu plus ce qui va se passer. Nickel. Ça va s'activer, une petite scène et tout. Ah, mon petit composant électrique. Oui, ça marche éclair. Bien sûr. T'inquiète pas. Bon, maintenant, faut que je trouve où est tombée cette foutue boîte. Non, elle est pas en hauteur, la boîte. Elle est en bas. Là. Ok. Composant électrique. Donc voilà, ça nous fait notre deuxième composant électrique. Donc ça, c'est cool. Et donc on va pouvoir activer le truc électrique. Ouais, ça m'apprendra de pouvoir m'y poser. Alors Mister X est là. Donc on va pas perdre de temps. Il est derrière nous. On l'entend bien, donc soyez derrière nous. Ou soit il est en bas. Et on l'entend très bien. Toi, tu dégages. Pas envie de perdre mon temps. Je vais être sincère avec toi. Là, on s'en fout. Et... Alors, comme je disais, vous allez voir, il y a un défi à relever. Il faut remettre le panneau électrique en 11 manipulations. En gros, ça veut dire qu'il va falloir remettre, réactiver le panneau électrique en bougeant les chemins 11 fois, pas plus. Donc, il va falloir que je réfléchisse bien à quoi faire. Ok. Donc maintenant on va reprendre le deuxième composant électrique qui doit être tout en bas. Ça on prend au cas où. Composant électrique on prend. Nickel. C'est tout ce qu'il faut. Voilà, c'était juste pour me soigner. Les deux composants électriques sont ici. Et si on réussit les 11 manipulations, ce sera déjà ça de fait. Alors. Ok. Alors, 11 manipulations pour remettre le composant électrique. Donc celui du haut, faut pas y toucher. Celui-là, je pense que oui, faut y toucher pour remettre l'électricité plus vers la droite. Ouais. Là. Celui-là, je pense qu'il faut le tourner. Quoique. Non. Celui-là, oui. Ça remet déjà un truc électrique là. Ensuite. Et ça se trouve, au final, je vais faire plus que 11 manips. Je vais te baiser. celui-là. Je pense qu'une fois que l'électricité est mise ici, peut-être y retoucher. Voilà. Là, on a plus de courant. Donc là, c'est bon, j'ai bien fait. Je suis en train de relier avec tout ce qu'on doit relier. C'est chaud. Ça là. Ça comme ça. Alors, je sais pas comment ça fait de manip, j'aurais dû calculer. Je suis peut-être fait baiser au final. Ça là. Est-ce qu'il faut bouger celui du milieu pour tout raccorder? Celui-là là. Et je crois que le gros du milieu, il servirait. Ah bah j'ai réussi. Mais est-ce que j'ai réussi en 11 manips? Il faut regarder ça.
Ah, il faut regarder ça, les amis. Mais je suis trop content. Et franchement, si j'ai fait ça en 11 manipulations, je suis heureux de ouf. Ah. Un joyau et des joules. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est bon. Je l'ai débloqué. Alors, attends, il est où? Un joyau et des joules. Alors, attends. C'est celui-là. 11 manipulations avec le truc électrique. Oh, franchement, oh, je me kiffe. Ah, j'ai bien joué. Allez, on prend le pass. Là, il y a le pass, je veux dire, déjà. Il y a rien d'autre à récupérer. Bon, on le prend. Allô? Content de te revoir, Claire. On a une affaire à régler, toi et moi. Où ça? Dans le quartier. Tu le trouveras. Chérie, va bien? Pour l'instant. Espèce d'ordure, si tu lui fais du mal... Sale mioche. Si tu ne l'avais pas laissé tomber ce truc, j'aurais pu te libérer. T'inquiète pas, chérie. Tout ça sera bientôt fini. Faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Oh, on joue avec chérie? Trop bien! Waouh! Chérie, je sais pas qui c'est qui t'a offert ça, mais à mon avis, la personne devait te détester. Non, on peut pas ouvrir ça avec une poupée de chiffon. Non. Ok. Bon, bah, je m'attendais pas qu'on joue chérie. Je me suis dit, au pire, on se laissera pour cet épisode. Et en fait, non, il y aura peut-être. Ah, peut-être un. Quand on sortira de la chambre, peut-être une machine à écrire. Et que son examine. Qu'est-ce qu'il y a dessus, elle? Non, il y a rien là. Ah, là! Le pendentif, je sais pas pourquoi il le veut, parce que c'est ce qu'elle a fait tomber, son pendentif. Alors, je sais pas pourquoi il le veut. Ok, un cube. Donc, me spoilez pas, hein, mais je sais pas pourquoi il le veut, mais il veut le pendentif de chérie. Ok. Alors, faut peut-être appuyer sur croix et après les bouger, ça se trouve. C'est là, je peux pas les bouger. Ah, ok. D'accord. Ah, mais en fait, là, c'est pas bon. Je sais, faut pas les bouger. C'est les celui de gauche et celui de droite. Ah, peut-être qu'on peut les bouger, ça se trouve. C'est mon avis, si on peut pas le faire comme ça, c'est qu'on peut les bouger. C'est obligé. Ouais. Il faut les bouger. On va intervertir celui-là et celui-là. Non. Là. Peut-être intervertir. Ah, attendez. Oui, on peut intervertir. Je viens de voir les logos qui ont changé. Peut-être ça comme ça. Non. On va intervertir alors celui un autre qui aurait un embout comme ça. Peut-être intervertir, on va essayer avec ces deux là. Ah, c'est bon. Ah, une paire de ciseaux. Ah, c'est bien, chérie. Bon, bah, on va couper ça. Hein. Par contre, je comprends pas pourquoi elle a scotché ça sur le mur. À moins que c'est le mec qui l'a scotché. Je sais pas. Ça croupit. C'est quoi cet endroit? Si elle connaît pas l'endroit, c'est que c'est le mec qui a scotché sur le mur de la chambre à chérie. On regarde qu'est-ce qu'il y a, s'il n'y a pas d'autres objets à récupérer. Une télé cassée. Moi, tu pourras pas la revendre. Hein.
Par contre, ce connard a quand même l'air d'avoir une grande maison. Hein. À moins que c'était pas une maison. Ah non, c'était de l'orphelinat. Je sais plus. Alors, soit c'est une maison, soit c'est un orphelinat. Bon, là, c'est bloqué. On peut pas. Ouais, bon, on va pas tout lire, parce que déjà, hein. Au pire, je lirai de mon côté. Au pire, vous mettez pause quand j'ai interrompu les pages, si vous voulez lire. Là, j'ai pas trop envie de lire. Je suis plutôt motivé à avancer. Ah, maintenir. Ah, ok. Et là, c'est pour monter. Pas mal, pas mal. Bien, chérie. Ah, c'est une gamine, mais... Elle sait quoi faire, hein. D'accord. Oh, je sais pas où est le mec. Je sais pas s'il faut l'éviter. Ok. Là, y a rien. On va s'accroupir. Mais là, y a une porte là-bas. Est-ce qu'on peut l'ouvrir la porte avant? Je dois vérifier. Non. La porte est fermée à clé. Ah, c'est peut-être les toilettes, hein. Je sais pas. Une salle de bain. C'est à côté d'une chambre, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être. Ou une autre chambre. Ouais, non, ça a l'air plutôt d'être un orphelinat. Je peux peut-être sortir par cette porte. C'est plus un orphelinat qu'une maison. Pour moi. À moins qu'ils l'ont dit depuis tout à l'heure, depuis le début, c'était un orphelinat. On n'a pas de clé, oui, ça c'est sûr. Je crois qu'ils ont déjà parlé de l'orphelinat, je suis pas sûr. Peut-être que j'en ai entendu parler sur internet. Qu'il y avait un orphelinat. Mais je m'en souviens plus. Par contre, là, la musique là, c'est pas rassurant. C'est lui. Je sais pas qu'est-ce qu'il doit faire, à mon avis, mais il doit pas faire des trucs très catholiques. Ouais. Eh ben. Voilà. Oh, il y a une machine à écrire. Eh ben voilà, les amis, nous on va se laisser là. Alors. Si vous lisez ça. Appelez la police. Les croque-mitaines sont là. Ils mangent tout le monde, non, au secours, ils arrivent. Aide-moi, maman. D'accord. Bon, bah les amis, on va se laisser là. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et on se retrouve à très bientôt et à la prochaine pour la suite de Resident Evil 2 avec la petite chérie. Ciao, ciao, Mina.